Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour la suite de Brief of Fire 2. Je sais plus à quel épisode on en est. 25, sûrement, probable, je sais pas. La dernière fois, nous sommes retournés à Ventia. Je vais y arriver avec les noms, je vous assure. Pour avoir un moyen de transport aérien, et le roi Mourant nous a dit qu'il était possible d'en avoir un, d'en l'obtenir en allant dans les dans la cave ciel afin de recevoir la marque des ailes noires qui nous permet de nous transformer en oiseau. Nous l'avons fait après moult pérégrinations et je me suis arrêté là. Et je ne sais pas quoi faire pour le moment. Alors j'ai regardé la soluce et en fait il faut parler au roi pour déclencher un trigger. Pour déclencher la suite, le roi il est pas là évidemment, qui va nous amener à une à un twist incroyable et magique. Donc du coup je vous laisse avec tout cela. La reine ne s'est pas beaucoup reposée, elle doit beaucoup s'inquiéter pour le roi. Bah il est où le roi? C'était pas la bonne chambre? Ah c'est pas la bonne chambre, c'était à gauche évidemment, le roi il est de gauche. Bonne politique, évidemment, MDR, qu'est-ce qu'on rigole. Majesté, je suis de retour. Nina, est-ce que tu as obtenu le sceau? Oui. Je vois. Alors, j'ai préparé la cérémonie. Tu devrais te reposer jusqu'à ce que tout soit prêt. Papy, veuillez l'accompagner. Si vous êtes plus jeune que moi, peut-être. Je vous appelle Papy. Ah, par ici, s'il vous plaît, les jeunes. Oh putain, il m'appelle Papy, quel connard. Et nous, on se barre. Nina, est-ce que t'es là? Je vois plus rien. Père, je vais faire en sorte que vous alliez mieux. Est-ce que tu espères que j'autorise ma précieuse fille à abandonner sa vie d'humaine pour sauver la mienne? Scoo, réponds-moi, Nina. Est-ce que tu as l'intention d'utiliser le pouvoir du grand oiseau pour sauver le roi de Ventia? Non, père. Ce n'est pas seulement pour ça. Je crois que c'est également pour le bénéfice du monde entier. C'est pourquoi j'ai pris la décision d'abandonner ma vie humaine pour devenir le grand oiseau. Bien dit, Nina. Tu es ma fille, la princesse de Ventia. Va, poursuis ta quête, je ne t'oublierai jamais. Je décède. Moi non plus, je ne t'oublierai pas. Jamais, père. Même si je deviens le grand oiseau, jamais. Je m'en vais maintenant, père. Prends soin de toi. Je te mords, connasse. Bonne vie. Pendant la nuit, alors qu'on a cette superbe musique, une intruse nous dérobe nos effets. Ah mon Dieu. Pourquoi? Qui? Comment? Et je contrôle Nina. Il n'y a rien. Le sceau de l'aile a disparu. Ah mon Dieu, c'est un vol. Nina, c'est ce qu'elle prend. Vite. Cours. Mais pas trop vite non plus. Hein, on sait jamais. Faut courir, mais pas trop. Hein. Toi, le garde, vite. À partir d'ici, c'est la tour. Ouais, bon, tais-toi. Oui, j'ai pour cérémonie, exception. Ouais, c'est bon, on a compris. Toi, tu sers à rien. Et je monte. Oh mon Dieu, c'est Mina! Vite! Putain, elle est où cette tour? Non! Mina! Vite! Attention, instant doublage. J'ai vraiment les gorges. Mina! Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ouvre cette porte! Je ne savais pas! J'arrive pas, je. Une seconde, je bois. Ah, ça va être compliqué. Je ne savais pas que tu avais été chassé du château à cause de tes ailes noires. Et je ne savais pas que père et mère avaient souffert si dur, longtemps à cause de cela. Et qu'est-ce que je dis, Mina? Mais qu'est-ce pas la porte? Ouvre cette porte, Mina! Si tu étais devenu le grand oiseau, je n'aurais rien su. Même pas le fait que tu te combattais contre le démon pour protéger le monde. Je n'ai pas la force de combattre le démon. Je ne peux pas vaincre le démon qui fait souffrir papa. Mais je sais que tu le peux.
C'est pourquoi je veux que tu restes et que tu te battes. Oh mon dieu, quel sacrifice. Et j'ai mal à la gorge. Ne sois pas stupide. Ouvre cette porte. La seule chose que je puisse faire, d'être tes ailes. Oh mon dieu, il se passe des choses incroyables. Promets-moi que tu m'appelleras toujours Mina, même lorsque je serai un oiseau. Mina! Oh mon dieu, c'est trop tragique. Je tiens à dire que c'est un peu décevant. Mina, qu'est-ce que tu as fait, Mina? Tu es un putain de pigeon. Ça n'aurait pas dû arriver. Voilà, c'est décevant parce que voilà. Je suis devenu tes ailes. Non, t'as rien devenu. Ma chère soeur, je suis si contente de pouvoir t'aider. Non, arrête de faire ça, c'est chiant. Ne dis plus rien maintenant, jusqu'à ce que tout soit résolu. Je ne verserai aucune lame jusque-là. Maintenant, nous devons vaincre le démon qui est en train d'essayer de détruire notre monde. Nous devons faire pour Mina qui a sacrifié sa vie pour devenir nos ailes. Ah bah là, c'est mieux, tu vois. Elle vole. Parce que le coup de je lève mes ailes, poum, je les repose parce que... non. Non, ça n'allait pas. Et du coup, comme l'oiseau... Voilà, c'est tout ce qui me venait en tête. Alors du coup, maintenant que j'ai un oiseau, il y a un truc, il faut que je vérifie. Normalement, attendez. Oui, il faut aller dans le sud. Vu que c'est là où il y avait les trucs brûlés. Donc ça, oh là là, incroyable, j'esquive tout. Et c'est ici, je sais pas où, que je devais aller. Comment je me pose? Je me pose avec Y, ok. Et elle se barre. Et donc quand je suis avec Nina, j'appuie sur Y. Ok. Donc le pouvoir de Nina, au bout de à peu près plusieurs heures, on va dire à peu près 24, c'est de pouvoir invoquer sa sœur, ce qui est bien. Et là, c'est origine. Ah non, c'est portail. C'est dommage. Bah, c'est là où c'était brûlé. Où on a eu la vision il y a un très très long moment. C'est bien évidemment, nous n'avons pas utilisé Tor depuis 10 ans. Oh la vache. Ça, c'est l'église de Saint-Eva, où j'ai donné un peu d'argent. Parce que, je vous le rappelle, quand on donne, je crois, c'est 3000 d'argent, on obtient un bouquin qui sert pour avoir... me semble la bonne fin dans le jeu. Mais ça, tu le sais pas, sauf si tu abuses. Et y a personne, yes, qu'y a-t-il là-dedans? J'aurais peut-être dû faire ça à la fin de l'épisode quand même pour dire comme l'oiseau. C'est littéralement ça, c'est comme l'oiseau. La paire allait dans la montagne de derrière. De derrière, de temps à autre, je me demande ce qu'il pouvait y faire. Oui, de derrière. Moi aussi je connais de derrière. J'explore un petit peu les maisons quand même. Histoire de voir ce qu'il y a. Pour l'instant, pas grand chose. Qu'y a-t-il là-bas? Y'a rien. Ah, par contre, je crois me souvenir de ça. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois. Faut que je vérifie. Non. Je suis Ross, le maître de ce village. Je vous souhaite un agréable séjour parmi nous. Attends.
Bonjour, excuse-moi, c'est moi. Non. Tu ne te souviens pas de moi. Ah, voilà qui est désappointant. Est-ce que au moins c'était le bon endroit où je devais aller? C'est une excellente question. Si je vais là, oui, je crois savoir ce qui se passe. Exactement. Oh là là, quel homme. Fort, très fort. L'homme fort. Alors que je cherche où je dois aller. Mais bon. Ah oui, je devais aller à Saint-Eva. Oui, mais j'ai pas envie. Écoutez, je me balade. Bah oui, c'est là où j'étais. C'était bien le début. Le tout début du tout premier épisode qui a un certain temps. Bah qui a... oh là oui, gros moment. Mais donc je visite en mon portail où j'ai visité cet endroit. Je vais aller voir la tête du mob. Enfin du gros monstre qui devra être ici. Si je ne me trompe. Ah bah oui, il est là. Bonjour papy. Ah, je crois que le dragon absorbe la vie de la forêt autour de lui. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, regardez. Eh, c'est fou ça. Bon, il vit pas, mais vous voyez de quoi je parlais, je pense. Bon, maintenant que cela est fait, je dirais que nous devons nous bouger la nuit. Et pas bouger la nuit. Donc, on va avancer dans l'histoire. Quand même, c'est le principal, je pense, à faire. Je dois me rendre. Alors, attendez que j'essaie de trouver un plan et une sortie. Je remets Nina. Parce que Nina va être utile. Alors, du coup, appel de Loisanne. Et je dois me rendre. Alors, attendez que j'essaie de voir où je suis. Ok. Ok, alors il faut que je me rende quelque part par là. Pas ici. Putain, regardez comment ça va vite. Je vais me faire des trucs qui me prennent des heures. Oh là là. Alors faut pas que je fasse n'importe quoi, explorer toute la carte. Sinon, bah, je vais me perdre. Alors attendez. Eh ben, c'est tout au sud que je dois aller en fait. Regardez, hop, je vais par là. Et au sud. Voilà, encore un peu plus au sud. Là, je suis un peu trop à l'est. Voilà, bah c'est ici que je dois aller. Et ben on se pose. On va aller à ce petit village juste là, qui m'a l'air, ma foi, très sympathique. Et juste à côté. Je suis à la hutte. Hutte. Bonjour, hutte. Bon. C'est juste pour avoir l'endroit. C'est comme son nom l'indique, c'est une hutte qui me permet de faire pas grand chose. On va voir un petit peu s'il y a des mobs par là. Quelques trucs un peu sympathiques à aller battre. Hein, je suis sûr que oui. Voilà comme cette chimera. Chimera. Voilà. Avec un maximum de dégâts. Pardon, combien? 0 riposte? C'est quoi? Excusez-moi, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous me dites que je suis pas assez au niveau? Non, quand même pas. Je vais décéder. C'est un peu honteux ce qui se passe, non? C'est honteux ce qui se passe, madame la juge, au secours. T'as pas un sort toi? Non, si t'as froid. Putain, c'est honteux ce qui se passe. Putain, c'est 146, mais quoi? Mais pourquoi? 29, waouh, ça fait pas beaucoup. Si je m'en sors, mais je suis heureux. Bon bah, il est mort. Ah, le froid était critique. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Je vais tellement mourir.
Bon, au moins Ryu prendra pas l'XP, mais j'aimerais survivre. Ouais, donc froid, c'est vraiment un truc qui fonctionne. Mais t'as combien de points de vie? Mais combien? Qui? Au secours! Aidez-moi! Je vais décéder. Putain, Nina, elle est morte, quoi. Pas toi, Nina. Putain, c'est les deux plus faibles qui prennent l'XP. Oh, mais sérieux! Oh, au secours! Ah, j'en peux plus, ça y est. Ah, mais décède, fais quelque chose. Non, mais je lui ai mis au moins 500 de dégâts. Pourquoi? Oh, au secours. Je crois que j'ai fait le mauvais sort et je vais mourir. Ah, je vais mourir, je le sens. Ah, mais c'est honteux ce qui se passe. Putain, je peux rien faire. Mais pourquoi? Bon, bah, Stan, il est mort. Si c'est Ekal qui prend l'XP, mais c'est n'importe quoi. Ekal, il va prendre tout l'XP. Oh la vache. Ah, j'ai pas envie. Ah non, je suis. Oh merde. Oh putain. J'ai perdu confiance. J'ai perdu 7000 balles. Ok. Bah, c'était marrant. Quelle mort incroyable. C'était la mort en poule, évidemment. Bon. Je vais peut-être aller sauvegarder. Ah, ça fait mal. Ça fait quand même assez mal. Je sais pas où je dois aller. Je sais pas où je vais. Je suis perdu. Bah, je suis trop loin. Ah, il y avait une île là-bas. Ok, il y a juste une île. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder. Voilà. On va sauvegarder. Voilà. Et ensuite, on va aller à Saint-Eva et on va voir ce qu'on peut faire. Même si je sens que je vais peut-être mourir. Putain, je le savais. Ah bon, ok, on va oublier. On va oublier ce qu'on sait. Et on attaque. Tous les sorts sur un seul ennemi déjà. Voilà, au moins du sang dès le départ. Aïe. C'est génial tout ça, c'est super génial. Bah non, j'ai pas d'autres sorts. Chier. Allez, sur un seul mammouth comme ça. Et bah, je vais mourir. 8.0, c'est un tremblement de terre, putain. Allez, Ryu meurt. Ryu souffre debout. Oui, il est re-en vie. Il est en vie, mais pas bien. Allez, meurt. Merci. Au moins, il y en a un qui est mort. Mais un seul. Stan, vite! Ah non, mince. Ryu attaque. Stan objet. Et Ekal, bah. Allez, sommeil. Vas-y, impressionne-moi.
Putain, mais je mets 0 dégâts, mais au secours, quoi. Ça a marché? Je crois que ça a marché, ça a marché. Oh là là. Cet épisode de l'enfer, quoi. Ah, j'ai pépé de ma vie. Oui, un critique, oui, 10 000 d'XP et un mort. Alors, je ne vais pas prendre le risque de me refaire attaquer, donc on va aller en ville. Hein. Voilà. J'utilise un sort à littéralement 4 mètres. C'est super génial. C'était pas du tout là où je voulais aller, mais c'est pas grave. S'il te plaît, l'auberge. Dis-moi qu'il y a une auberge. Putain, j'ai envie de mourir, y a pas d'auberge. Au secours. Bon bah allez, on va aller dans une vraie ville. Hein. On va aller à n'importe où en fait. Tiens, on va aller à Gantz. Ah mais c'est l'enfer là. Ça y est, je suis dans une zone trop haut niveau. J'ai atteint la limite. C'est pas cool ça. Sachez-le. Ils ont pas des armes que je pourrais utiliser. Eux, ce serait bien. C'était pas du tout où je voulais aller. Oui, 50, ça va, c'est pas cher. Pas cher du tout. Mais au secours, le jeu, quoi. Nina, elle est morte, mais comme un caca. Parce qu'on va faire une autre solution que j'aurais dû faire depuis le début. Vous allez voir, cette solution est miraculeuse, c'est de me déposer juste devant Saint-Eva. Je pense que vous l'aviez. Et tant mieux, regardez. Hop, hop, hop là, juste devant. Hop là, juste devant. Paf! C'est fou. Et ben voilà, regardez. Un vrai. Je sais pas ce que c'est, mais j'y suis. On m'a dit, va là-bas. Je n'ai jamais été très populaire, mais depuis que je suis venu dans cette ville, j'ai une petite amie. Merci, Saint-Eva. Waouh, incroyable. Bienvenue à Evray. Oh, c'est la maison de Saint-Eva. D'accord, très bien, mais ça devrait pas s'appeler Saint-Eva. Ouais, ouais, prie Saint-Eva. Putain, je suis un enfant. Oh, dans cette ville, Saint-Eva lui verse sa lumière. Ah, il fait donc chaud toute l'année, et il fait même jour la nuit. Mais, c'est pas normal. Enfin, il y a un problème dans votre écosystème. Non? Bienvenue au bazar. Oh, que plus pour vous. Eh ben, écoute, du soin, même plein de soins même. Les herbes vives, ça va, j'en ai plein. Ces objets ne me servent pas. On est à Saint-Eva, mais quand même, il y a du commerce, il faut pas déconner. Et ça, c'est une très très belle chose à retenir de Saint-Eva, hein. La religion, oui, mais le commerce, quand même, super important. Et là, qu'est-ce qu'on a donc? C'est pareil. Moi, je vais rien voler parce que non. Je n'ai pas que ça à faire. J'aurais peut-être dû me remettre. Changer de personnage. Et j'ai oublié le nom de ce personnage. Honteux. Ok, donc là, il faut que j'aille là-bas. Et ici, qu'est-ce qu'on a donc? Une très 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 grande maison avec deux lits, au moins quatre si c'est symétrique. Louons Saint-Eva. D'accord. Ok.
Et ben, loup. Waouh, tout ça pour ça. C'est une immense perte de temps. Oh mon dieu, il y a quelqu'un là. La raison pour laquelle j'ai pu venir dans un endroit si merveilleux, ce sont mes prières pour Santeba. D'accord, très bien. Et à part ça, comment ça se passe dans votre vie? Il est très grand cet escalier. Oh, salut. Seuls les vrais croyants sont autorisés dans la grande église. Oh, c'est avec quel personnage que je dois y aller? Nina, peut-être? Non. Non plus. Et non plus. Bah, je rentre, hein. Non, d'accord, ok. Bon, il faut que je change de personnage. Et bah... on va changer de personnage. Quelqu'un de croyant. Et ben, je vais prendre quelqu'un qui n'est pas croyant, à savoir mon bon ami Lend. Ça y est, j'ai réussi à m'en souvenir. Alors, Santeba, oui, mais alors, le dieu dragon, oh là, surtout pas. Nous ne pouvons pas quitter la ville. Excusez-moi. Je... comment ça? Pardon, je ne peux pas quitter la ville, t'es en train de me dire que je suis bloqué. T'es en train de me dire que je suis bloqué. Pourquoi tu fais ça le jeu? Non mais c'est une blague, je vais pas reset. Non mais c'est pas bien ce que vous faites là, on est bloqué. Je suis bloqué. C'est une énorme blague. Alors, les gens, je ne suis pas d'accord. Ok. Donc, c'était pas une blague. Alors, donnez-moi une statue du dieu dragon, s'il vous plaît. Au moins. Sinon, je deviens fou. Cette vieille femme. D'accord. Alors, toi, t'es en noir. Dans ce que tu me dis, je sais pas pourquoi, mais tu l'es. Est-ce que tu es en train de me dire, hein, le jeu, parce que je sens que tu es en train de me faire passer un message, qu'il fallait que je prenne un autre personnage, hein, c'est ça que tu es en train de me dire. Hein, je le pressens dans ce que tu essayes. Je suis sûr que c'est ça. Bon, je cherche quand même quelque chose, hein. Je cherche une solution. Si je dois reset, ça va pas le faire. Si je dois reset, ça va pas le faire. Bon, réfléchissons. Réfléchissons. Je vous jure, je réfléchis vite. Alors, je laisse un peu de blanc parce que... Alors, dans la Solus, le mec a réussi à sortir. Pourquoi? Je sais pas. What? Attends, c'est moi qui suis en noir? Quoi? Pourquoi c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ouah, il se passe des trucs bizarres là, les dialogues c'est pas les mêmes. Ouah, c'est le bad. Mais c'est... attends. Non. Ouah, mais c'est le bad en fait, actuellement, pourquoi ça... C'est très le bad, actuellement. Ouah, ça fait peur. Enfin, moi, ça me fait un peu flipper. Pourquoi il fait froid? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé, c'est ça?
Bon alors toi tu... Ouais bon alors toi tu... Ouais même pas. Je sais pas, je suis perdu, je teste des trucs là. Ça veut pas me faire rentrer. Là les dialogues ils ont totalement changé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je viens d'avoir une réflexion? Est-ce que je dois prier Saint Eva? Et si c'est ça, non seulement c'est du génie, mais alors c'est stupide. J'espère que c'est pas ça. J'espère vraiment que c'est pas ça. Est-ce que je vais pas être d'accord? Priez-vous pour ça? What the fuck? Vous êtes des fidèles de Saint Eva, n'est-ce pas? Vous inquiétez pas, mon nom est Clarisse. Je suis tout comme vous, à être humain décent. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! C'était ça! Hé, Eps! Je vais vous conduire en dehors de la ville, mais par là. Ouais. Ok. Ah, c'est ici que tous les croyants de Saint Eva se rassemblent depuis partout dans le monde. Mais tout le monde se comporte bizarrement. Ah, c'est presque comme si on avait pris leur âme. Je pense que Église Eva prend l'âme de ces gens et les utilise pour donner de l'énergie aux démons. Là, je suis dans cette ville et j'agis comme une croyante afin de le vérifier. Ah merde, c'est les chiottes. Je suis là. Ok, vous pouvez sortir des toilettes. Quand vous serez dehors, allez à Fort Côte, qui est au sud de la ferme. Allez parler à mon camarade. Combattons cette chose ensemble. Maintenant, en route. Non, pas par là. Vous devez sauter dans les chiottes. Voulez-vous sauter dans les chiottes? Oh! Génial! C'est un énorme trou. Et j'aime... Oui, je pars. Alors moi, je vais direct. Hein, je saute. Peut-être qu'il y avait des choses, mais... Pas envie de vérifier. Putain, mais c'est des chiottes. Mais c'est dégueulasse. Oh, un ennemi que je connais pas. Un démon behemoth. Ou un dragon behemoth. C'est génial tout ça. Allez, meurs. T'as une demi-heure pour trouver ça. C'est super génial. Allez, meurs. Aïe. Aïe. J'ai mal. Au secours. Heureusement que j'ai acheté des trucs. Bon, bah voilà. 2000 XP. Yeah, trop bien, je m'en fiche. Allez, je veux sortir, s'il vous plaît. Moi, je... J'aime pas cet endroit. Ça me fait peur. Ok, bon. On va oublier ça. Voilà, on va pas réfléchir, on va attaquer. C'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Ça fait rien du tout, c'est nul. J'aurais dû prendre langue depuis le début. Oh, un critique. Utile. Oui, un critique sur moi. T'as encore mieux tout ça. Oh mon dieu, mais quelle critique, incroyable. Stun 29, ouais, trop bien. J'ai pas envie de mourir. Heureusement que j'ai pris des soins. C'est la seule chose qui va me sauver, le soin. Par contre, c'est très très long. Et j'aime pas ça. Enfin, le seul sort que t'as, c'est pas pour ça.
On va y arriver. Allez, on va y arriver. Ah, un petit critique avec Vendeux, c'est bien ça. Allez, Écale. Nul. Nul, Écale, nul. Décevant. Très décevant, ouais. Nina 31, Froid 3. Et ben voilà. On commence à sortir les vrais sorts. Bon, j'en remonte bientôt. Oh, il y a deux escaliers. Oh, il y a une chimère. Oh. Ah, c'est mort, je la combat pas, je vais mourir. Moi je fuis. C'est mort, je fuis. Allez, oui. Putain, Sten la fuite. Sten la fuite, incroyable. Heureusement que j'ai 10 herbes vie. Le regret n'est pas présent. Le regret n'est absolument pas présent. Bon. Putain. Je vais aller à droite. Ah, il y a un mec. Il y a quand même un mob qui s'appelle Cancer. Très bien. Eh ben écoutez, j'ai bien envie de voir ce froid. Ce froid. Pas ce froid. Ce froid. Froid. Tandis que Sten, qui m'a sauvé de la mise, va attaquer tranquillou. Ouah, c'est un petit loup. Oh, très efficace contre le cancer, le froid. Contre le monstre cancer, évidemment. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que je viens de dire. Hein, le cancer, sujet que je ne maîtrise pas. Et dont j'aurais arrêté de parler maintenant. Oh, quel coup critique. Incroyable, Sten. Allez, à droite. Allez, dis-moi que c'est la sortie, s'il te plaît. S'il te plaît. Bah écoutez, je les ai froid. Froid partout, maintenant. Parce que c'est le plus gros sort que j'ai. J'ai un maximum de points de magie. Et c'est tant mieux. Bon, c'est pas utile pour tout quand même, hein. C'est un peu bête. Je pense que je vais les farmer dans cette zone à la fin. Pour l'argent, pour l'XP. Et essayer de voir où je peux trouver un équipement un peu meilleur. Aïe, ça fait mal. Et Cal qui finit, c'est beau. 5000 d'XP quand même, c'est pas dégueulasse. Mais la prochaine fois, je prends l'onde. Ou l'ende. Hop, et voilà. Allez, dis-moi que c'est la sortie. C'est pas la sortie, dis-moi qu'à droite, là, c'est la sortie. C'est une impasse. Ah mais au secours, ah ça va, c'est des mobs que je connais ça. Ça va aller vite. Si on a deux qui fuient surtout, ça va aller encore plus vite. Mais 79, comment ça, putain. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Mais arrêtez madame la juge. Ouais surtout pour ça quoi. Ouais quel coup critique, merci Cal. Yeah, trop bien. Oh là là, mais quel enfer. Quel enfer je vis actuellement. Tout le soin qu'ils font
Ah là là. Honteux. C'est honteux ce qui se passe. Vraiment... incompréhensible même, dirais-je. Oh mais au secours. Ok, c'était le trou là. Donc il fallait que je tombe dans le trou et que je remonte. Très bien. Donc c'était le plan. C'est un plan nul. Très très nul même. Pire plan du monde même. Ah là là, Ikal va mourir, je pense. Allez Ikal, au revoir. On dit au revoir Ikal. Qui revient? Ah oh, mais c'est sérieux en plus. Bon, avant. Attaque, Sten, tu dois prendre un objet de soin sur toi. Ikal, tu peux te soigner? Non, tu peux pas te soigner. Tu es nul, Ikal. Ikal, nul! Ça va pas être suffisant. Je sens que ce n'est pas suffisant. Alors que c'est un critique. Voilà, bon, Ikal, au revoir. Merci d'avoir joué. C'est bon là. Voilà, c'est terminé. Ouais, je pense que le farm va être le bienvenu. Notamment pour acheter un maximum d'herbes vie et de soins. Parce que dans ces conditions, je ne peux pas jouer. Qu'on se le dise. Comment voulez-vous que je joue dans ces conditions, monsieur? Nina, nina, nina. Et bah pareil, hein. Froid. Oh ouais, il va y avoir du farm. Oh là là. Oh, j'ai pas eu ça. Oh, ça veut dire que c'est critique. C'est mignon, ça. Des petits chiots. Derrière, c'est... Oh, c'est mignon. C'est mignon tout plein. Je mets un pouce en l'air pour ce... Ça doit être un critique, je pense. Si c'est pas un critique, et ben j'ai une connerie et puis... tant pis. Oh, dis-moi que c'est en haut. S'il te plaît, la sortie en haut. Hein. Alors que c'est le critique pour Sten. Ah ouais, ça a l'air d'être ça. Et c'est le critique pour Nina. Au revoir Nina. Merci d'avoir joué. Vous vous rendez compte quand même que là je suis dans une zone beaucoup trop haut niveau pour moi. C'est tellement pas normal. C'est tellement pas normal que j'en ai marre. Ouais, Cal 25, putain mais oui. Prends le niveau et calme, c'est ce que je te demande. Elles sont où mes herbes? Elles sont là. J'ai eu peur pendant un instant de ne plus avoir d'herbe. Vie. Et ça m'a
Pardon ? C'est pas là ? C'est pas là ? Non. Non, mais je veux pas. Non, je veux pas. Mais pourquoi ? Allez, riposte. Nul. Ah mais je veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas attaquer. De toute façon, je ne peux pas sortir du donjon. Parce que, bah non. Merci. Bon, on va tenter quelque chose. Sors. Allez, hop. Voilà, et fumer. Même si ça servira à rien. Allez. C'est n'importe quoi. Ça a d'ailleurs fumé qui ne sert pas du tout. Ah bah oui, bah, vas-y, même pas en rêve. Même pas en rêve. La chimère, c'est même pas en rêve. Voilà, allez. Voilà, allez, deux morts, c'est parfait. J'ai utilisé toutes mes herbes de vie sur ce donjon de mort. De toute façon, j'ai de la thune en réserve et c'est une bonne chose que je l'ai fait. Bon bah Nina, je pense que ça va pas le faire, ça continue. Ça va vraiment pas le faire. Elle a le seul sort pour ressusciter les gens, mais c'est elle la plus faible. C'est énervant, vraiment. Oh là là, mais Sten ! Incroyable Sten. Bah non, ouais, évidemment. Voilà. Là, c'est tout bon. Allez. Je me suis pris toutes les impasses possibles. Je me suis pris tous les mobs possibles. J'ai utilisé quasiment tous mes sorts. Il y a intérêt à ce que je sorte de cette zone dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, un critique. Oh, ça va. Et la riposte, parfait. Et le critique. Voilà, parfait. Nina, encore une fois. Bon, bah Nina, je vais changer. Je vais la foutre ailleurs. Elle a pu être en tête. Mais je vais la mettre derrière pour que personne n'attaque. Meilleure chose à faire, je pense. Bon, alors attends, ranger. Voilà, on va changer. Ordre. Manuel, Nina, tu vas là. Tu vas me remettre ça de manière. De cette manière-là. Alors, si je mets auto. Impeccable. T'es beaucoup mieux comme ça. Il me reste une herbe, j'ai intérêt à ce que je sorte. Envie. La préférence. Parce que ça commence vraiment à m'énerver. Attaque surprise, parfait, fuite. Mais c'est. C'est une. Ah, t'as intérêt à me dire que c'est le bon chemin. Même pas en rêve. Alors là, même pas. Oui, bah, bon, je me fiche qu'il meurt. Je m'en fiche.
Allez, voilà. T'attends à me dire que ça a sorti, sinon je pète un câble. Putain, c'est la sortie. Qu'est-il là-dedans? Oui, j'ai obtenu une médaille. Balek. Je suis où? Frère. Oh, monsieur, que faites-vous ici? Non, ça ne va pas, veuillez rester dans vos appartements. Je suis sorti. Yes. Et ben voilà, et en plus j'ai une nuit gratos. Bon, et ben je vais m'arrêter là parce que cette zone ne me plaît pas du tout. Elle ne me plaît pas du tout, du coup je vais être parti pour faire un maximum de farm. Et ça c'est génial. Et aussi aller réexplorer la grotte pour voir ce que j'ai loupé. Du coup, merci d'avoir suivi cet épisode qui n'aura pas été très intéressant. J'espère quand même que vous voyez tout ce qui se passe dans Breath of Fire, hein, les zones, etc. Et les difficultés aussi. Si vous avez des conseils, évidemment, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous aimez, mettre un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos et ne pas rater la suite de l'aventure. Tous les mercredis à 15h30, c'est l'horaire. Et me suivre sur Twitter et Instagram, où je suis le plus présent pour raconter un petit peu ma vie et l'avancée des vidéos. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite, qui se passera sûrement mieux, j'espère, de Breath of Fire 2.